La carte d'identité, c'est bon. Le stylo 4 couleurs. Que fais-tu? Là, je vérifie mes affaires pour le brevet. Ça commence lundi. Ah, mais on est en tournage, là. On a rendez-vous avec nos gaufrettes. Ah, déjà? Oui. Bon, prête? Salut les gaufrettes! Bon, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit goûter pour que je puisse le glisser dans mon sac? Parfait. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour les muffins, il faudra 50 g de beurre fondu, 100 g de praliné en grains, 3 œufs, 150 ml de farine, 5 ml de levure chimique, 75 ml de cassonade, 5 ml de fleurs d'oranger et 25 g de pépites de chocolat. Dans le bol pousse, je verse le beurre fondu, le praliné, les œufs, la farine, la levure, la cassonade, la fleur d'oranger et je mélange jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. Je répartis la préparation dans le moule à mini muffins en remplissant les alvéoles à moitié. Je te rappelle qu'un moule en silicone ne se beurre pas. Il faut l'humidifier. Il ne faut pas non plus le poser sur une grille chaude. Alors sors-la avant de mettre ton four à préchauffer. Je parsème de pépites de chocolat. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 17 minutes. J'en profite pour te rappeler le calcul pour transformer les degrés en thermostat. C'est simple, il suffit de diviser les degrés par 30. Pour les spirales, il faudra 70 g de sucre, 250 g de farine, 125 g de beurre en morceaux, une demi-cuillère à café de sucre vanillé, 10 g de cacao non sucré et un œuf plus un blanc. Dans le bol batteur, je mélange le sucre, la farine, le beurre, l'œuf entier et le sucre vanillé. Je sépare la pâte en deux parties. Avec une, je forme une boule. Je mélange le cacao avec l'autre partie et forme une deuxième boule. Le tout part au frigo pendant 30 minutes. J'abaisse les boules en rectangle. Je badigeonne de blanc d'œuf l'une d'elles et pose l'autre par-dessus. Je roule l'ensemble en formant un boudin que j'enveloppe de film alimentaire.
Ça part au frigo pendant 30 minutes. Je coupe le boudin en tranches que je dépose sur la feuille à rebord préparée. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Ah super, je vais emballer tout ça et me concentrer sur mes épreuves. Tu peux en avoir un ou deux quand même. Ouais, mais pas plus hein. Attends, ton frère le bac, toi le brevet, moi aussi j'ai besoin de douceur. Ben voyons. Bon, on pense bien fort à tous les collégiens de 3e. On va devoir vous quitter, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.